Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc l'épisode numéro 9 de hop voilà de l'épisode Dinocraft. Et donc bah on va continuer. Alors, dernier épisode, on s'était arrêté sur le dernier dinosaure qui était un je sais plus trop quoi. Alors attendez, là faudrait que je mette. Oh, il faut mettre ces bruits. Faudrait que j'ajoute de l'herbe. On a toujours de petits crabes, les bras en l'air. Ouais, c'était celui. What? What? Wow, pourquoi il. Attendez. Health. Oh, ça va, il est blindé de vie. Par contre, je sais pas pourquoi il a perdu autant de vie. Hein. Ouais. Bon, assez bizarre. En tout cas, c'est pas grave. Vous m'avez demandé le brachiosaure. Deux, trois personnes m'avaient demandé le brachiosaure, j'ai vu. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Va pas falloir que je tombe dedans un jour, je vais faire le malin, je vais tomber dedans comme une merde. Et je vais pas assumer. Donc j'ai un truc de brachiosaure. En fait, l'idéal ce serait que j'aille miner. Faudrait que j'aille miner en fait pendant bah, que j'ai rien à faire. Alors, Carnosaurus, non, Stégosaure, non, Triceratops, non, Brachiosaure, on a un Brachiosaure. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des trucs assez simples. L'Erasosaurus, on a un T-Rex. Faudrait qu'on aille miner. Écoutez, on va passer par là, on va profiter de ce petit terrain, enfin de ce petit tunnel bien sympathique. Hop. Alors. Voilà. Moi je propose qu'on le mette de l'autre côté. Je sais pas si. Alors je sais plus si. Non, je crois que je l'avais fait en hors caméra. Ouais, moi franchement je l'aime bien la petite tour. Une petite tour en bois de contrôle. Ouais, donc je disais. On l'avait mis. Alors, on va pas le mettre là en plein milieu parce que ça va faire complètement ridicule. Mais. Ah, j'avais masse d'œufs de serpent aussi. Ah ouais, putain, j'ai plus rien du coup. Mais on peut peut-être. Alors, ah non, mais du coup, vous vous rappelez de ça là? Non, ici, je pense qu'on va mettre autre chose. Parce que ce sera carrément pas assez gros. Ah, mais putain, je suis vraiment con. Oh, je fais de la merde. Je suis bête parce que j'ai. En fait, c'est de l'ADN que j'ai, c'est pas des œufs. Donc il va falloir que je les mette en ADN. Enfin, en œuf, je veux dire. Alors, bon, on va aller faire ça rapidement. Hop, toi t'es gentil. Ouais, d'accord, ok. Non, je rigole. Est-ce qu'il. Yes. On a deux œufs. Je crois. Genre, mais genre, vous avez vu, on est d'accord qu'il m'a looté deux œufs. Ok, y a pas d'œuf. Bon bah c'est pas grave. Bah écoutez, on va faire ça rapidement. J'aurais bien aimé faire une autre tour, mais bon c'est pas ma préoccupation principale, j'ai envie de dire. Et puis de toute façon hors caméra, je pense que je vais commencer à les modeler un petit peu les autres. Ah bah c'est sympa, les dinosaures commencent un petit peu bouger et tout là. Et surtout, bah par contre l'autre non. Attendez, je vais vous le montrer après, mais l'autre là, celui qui ressemble à un poulet là. Il a pas envie de bouger, je crois qu'il est coincé, il va falloir que je le retire. Ah bah si, ils sont là, je les avais pas vus. Alors. Ah, il nous faut un seau d'eau. Voilà. Hop. On fait ça, ça, ça. Ok. Non. Ah. Ça, 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 ça. Et ça. Ouais, ça, ok. J'ai mes trucs à l'envers. Le son, on va le remettre là. On en a pour combien de temps? Ça devrait pas être très long normalement. On a un petit peu de growth serum. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je me rappelle plus trop du growth serum. Ah, oui, c'est ça. Il nous fallait des carottes dorées. Bah, ça, on en a normalement. Alors, je vais juste aller voir les récoltes en attendant que le truc il se fasse. Et puis voilà. Alors ouais, celui qui est bloqué, il est là, là. Ouais, en fait, je sais pas. Il est arrivé là, il est. J'espère qu'il va réussir à remonter. Parce que sinon, c'est embêtant. Et du coup, vous voyez, c'est assez sympa parce qu'il y a des chevaux.
Ça, franchement, ça augmente vraiment le niveau de. Bah, de comment ça s'appelle? De. Le niveau de la faune. Il y a beaucoup plus de faune. Non, putain. Au final, en fait, j'avais dit que tout ça serait des champs provisoires, mais c'est toujours des champs. Je pense qu'avec moi, vous avez l'habitude en fait de. Parce qu'il y a des youtubeurs par exemple comme IPR et tout, ils aiment bien tout automatiser, avoir des grands champs, des trucs de rendement max et tout. Moi clairement ça me fait chier de passer 20 ans là-dessus. Mais oh, enfin je dis pas que c'est mal, au contraire franchement j'admire vraiment ce qu'ils font. Et ça m'a toujours intéressé d'avoir ça, mais ça m'a jamais intéressé de le faire donc bah, j'ai jamais fait. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Là c'est joli, j'aime bien comme ça. La petite vue. Re les amis, excusez-moi, j'ai dû couper 30 secondes. Alors, je sais plus ce que je disais, du coup, ce que j'étais en train de raconter. Ah ouais, si, les youtubeurs, oui, donc bah, que ça m'intéresse, enfin, c'était que je trouvais ça vraiment pas mal et tout, mais que moi je ferais pas ça, je préfère garder mes petits champs tranquilles, mon petit truc à la va-vite et tout. En plus, franchement, j'arrive à vivre, il y a juste des fois où ça galère un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, quoi qu'il en soit, on va dormir rapidement et après on va aller améliorer ce brachiosaur. De toute façon, maintenant je pense qu'honnêtement je vais les faire tous au Growth Serum parce que bah il les laisser grandir c'est trop long. Je crois qu'on peut les laisser grandir mais c'est carrément trop long. Et il nous faut de la bouffe et tout, enfin bref, je pense que c'est carrément plus rentable les Growth Serum. Alors du coup j'avais quoi? J'avais ça, ça, ça. Me restait un petit peu de pierre. Bon ça va, j'ai pas trop perdu de trucs. C'est le principal. Hop. Ok, on va dormir parce que je sais que vous sur YouTube on voit pas la nuit. Dommage parce que la nuit c'est magnifique je trouve, mais bon. Et ouais c'est con, j'ai un truc magnifique, vous pouvez pas le voir. Alors, À l'heure, on va aller le faire rapidement. Va falloir que je me recrafte des armes. Je vais mettre des snipers dans chaque tour comme ça. C'est l'histoire de dire. Je m'en servirai pas, mais c'est l'histoire de dire. Bah écoutez, le Brachiosaur. Où est-ce qu'on peut le mettre? Ici, il faudrait qu'on mette plein d'autres dinosaures. Enfin, plein. Ah, pas non plus trop. Au moins deux de chaque. Deux de chaque, je pense que. Wow. Je sais pas lequel a fait ce bruit, mais. Alors. Ah là, j'ai peur qu'il se casse la gueule. Et là, il va être beaucoup trop grand. Je pense qu'on va le mettre de l'autre côté. Il faudrait un endroit plat. Ah, le problème de cette île, c'est ça. C'est que. Eh, franchement, elle est vraiment belle. Mais. Là, honnêtement, la vue, elle est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien, ça me plaît. Mais c'est vrai que je pouvais pas trop tout modeler non plus à la main. C'était trop chaud. Là, s'il tombe dans l'eau, il va crever. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va le foutre là-bas. Et puis, j'espère qu'il va bouger. Ou alors, non, on va le mettre là-bas. On va le mettre là-bas en bordure de trucs. Et bon, et on va partir du principe qu'il va bouger un minimum. Alors, on va le mettre là. Hop, voilà. Ok, donc on a notre œuf. Alors, voilà. Sur l'île là-bas, ce sera les carnivores. Je crois que là-bas, c'est un bout d'île. C'est même pas une île. Ouais, le bout de bordel qu'ils foutent. Ok. Et il me semble qu'il file mais masse de bouffe, hein, mais genre vraiment. Ouais. Lui il est sympa, je l'aime bien lui. Il est gros quand même. Hein. Vous allez voir, normalement le brachiosaure devrait être énorme. On va attendre qu'il pousse rapidement. Alors. Hop, une boule d'XP là. Oh. Ok. On va sortir. J'ai pas envie de me faire tuer bêtement. Bon, il a pas envie de pousser là. J'ai une flèche sur la tête. En fait, j'ai envie de rester à côté parce que si je reste pas à côté, il va se barrer. Ah, mais on voit ça. Alors, Brachiosaurus. On va aller voir pour eux.
Wouah, 127 de vie, attaque 51, speed, lui c'est un char d'assaut le bordel. Attendez. Three Horn Face. Ok. Et lui, alors à mon avis, True Horn Face, ça doit être des cornes de je sais pas quoi sur le visage. Ok, mais là je coule, donc c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Ok, donc le Brachiosaur devrait. Oh, il est là le Brachiosaur! Putain! Eh, le bordel, il est bébé, il est aussi gros que moi. Ah ouais! Bon, on va le faire grandir. Il est fat! Oh, il est énorme! Ah ouais! Il rigole pas du tout. Mais alors, oh, il y a une taupe. Il rigole, mais pas du tout, du tout, le truc. On va monter pour le voir. Ah ouais! Putain, il est tellement haut qu'on le voit presque pas. On va bien monter en hauteur. Et en plus, il me reste des growth serum hein, quand même. Bah écoutez, c'est vraiment pas mal. Il va vraiment falloir pas. Ouais, que j'en mette par exemple un ici. Mais des petits, hein, les petits et tout. Et tout ça. Donc bah vous savez quoi, on va y aller maintenant. Je vais aller mettre un peu de viande et je vais commencer à en faire d'autres. Bah l'histoire 2, hein. Je pourrais en mettre là-bas des triceratops et tout aussi. Donc voilà. Alors, moi ce que j'aime bien, c'est les petits gallimus. Les petits là, les gros comme ça, on va pas en mettre. Les gros comme ça, on va pas en mettre la blinde. On va en mettre correctement, mais sans trop en mettre, vous voyez. Stégosaure. À quoi il ressemble le stégosaure déjà? Je sais pas. Mais par exemple, le Gallimimus, comme je vous disais. Non, 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 déjà, on va se faire un Triceratops qu'on va mettre de l'autre côté. Voilà. Lui, on va le mettre là. Et il nous faut un seau. Voilà. Alors, et j'aimerais juste voir les autres serpents, comment ça se passe aussi. Hop. S'il suffit de les poser comme ce qui était prévu. Ok, donc là il y a ça. Alors, j'ai les autres serpents. Hop, 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 voilà. On va essayer de les mettre. On va les mettre là. Coral Snake Eggs. Donc des œufs de. What the fuck? Ok, bah je pense qu'en fait. Non, je pense qu'ils devaient être buggés dans mon inventaire parce que là ils ont disparu. Donc ils ont pas disparu comme ça, je pense. Enfin, si, mais je pense que du coup ils étaient buggés. Ici, je pense qu'on mettra une petite tour là en plein milieu. Ça peut être cool. Une seule tour ici. L'histoire de dire, voilà, on lui surveille un petit peu. Là-bas, il va falloir que j'ai récupéré. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas replanté les pommes de terre. On va aller les reposer. Et voilà. Ah, c'est quoi ça? What the fuck? What? Alors là, si ça a toujours été là, ça. Attendez, c'est quoi? Je sais. Ah ouais, c'est un bâtiment. On dirait un donjon. Bah écoutez, les amis, je l'ai jamais vu. Alors, soit. C'est ça là qui m'a. Alors, bah, je pense pas, parce qu'une fois qu'un monde est créé, il est créé. Ouais, clairement, c'est un. Un donjon. Wouah! Wouah! Il y a de l'éponge! Ouais, bon écoutez, je vois, mais alors strictement rien, on dirait du pétrole. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre qu'il y ait de l'éponge alors qu'on est en 1.8. Ou alors c'est dans le mode, ça fait peut-être partie d'un des modes.
J'en sais rien. En tout cas, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. On va aller faire notre petit triceratops, je crois. Je sais plus ce qu'on a mis. Oui, c'est un triceratops, il me semble. Allez. Allez, allez, allez. Parfait. Alors, bah écoutez, on avance plutôt pas trop mal. En fait, ce qui m'a mis bien, c'est vraiment quand je suis allé aller rusher les Growth Serum là. Avant que. Entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Non, entre le 7 et le 8, parce que j'avais tourné le 6 et le 7 au même moment. Entre le 7 et le 8, ça m'a mis vraiment super bien. Mais donc, du coup, bah, je pense que. Enfin, je vous dis, à mon avis, je vais faire que ça, hein, les Growth Serum. Alors, je vais juste regarder le temps que notre petit dinosaure grandit. À combien de temps j'en suis? Alors, voilà, il va grandir tranquillement et j'en suis à 10, ça fait une quinzaine de minutes, ouais. Alors, 7%, eh ben écoutez, nous on va rentrer, l'histoire de dormir. Un petit peu. J'ai envie de tuer un des crabes pour savoir ce qu'il donne, mais d'un côté j'ai pas envie parce que bah il va mourir. Hop. Est-ce que j'ai de quoi faire des gros sérums là? On peut mettre n'importe quelle viande. Je crois. Il faut qu'elle soit crue. Ouais, voilà, c'est ça. De la viande crue, des carottes dorées en seau d'eau et vert cactus, sachant que le seau d'eau est toujours redonné à la fin. Le vert cactus, j'ai du cactus derrière. En fait, j'ai pas mal de trucs. Ouais, des carottes dorées, j'ai de quoi en faire avec les pépites d'or et tout. Bon, bah ça devrait le faire. On ne peut dormir que durant la nuit. Bah. Ah, attends. En fait, à mon avis, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment buggé, hein, ça. Ça, ça. Ah non, je vais les garder. Ah, bah, du coup, ils sont là. Ouais, on va les laisser. Non, ça marche pas le dinopode. Non. Mais c'est pas la nuit, là? Waouh, c'est beau. Je dirais vraiment que c'est la nuit avec ses fenêtres. Voilà. Comme ça, avec un petit peu de chance, notre cher ami aura grandi. Et on va le grosser. Eggs watching spawn, nana keep a watch, nana créature located. C'est quoi ça? C'est le. Ouais, on est bon. Et du coup, je pense qu'il y en a que je vais laisser petits. Vous voyez, j'en fais quelques-uns gros et après le reste, je vais les laisser petits, histoire de faire des petites colonies et tout. Parce que je sais pas s'ils se reproduisent en fait, c'est ça le truc. Attendez, est-ce qu'on peut voir si c'est un mâle ou une femelle, par exemple? C'est un mâle. Et l'autre, c'est quoi? Alors, je vais aller voir si c'est pas mes œufs de. Putain. Mes œufs de serpent qui ont grossi. Non, ils sont encore là. Ouais, donc on va aller voir si c'est un mâle ou une femelle. Je serais bien allé voir eux deux, mais à mon avis, ils vont me bouffer la gueule. Alors. How are you? Toi, t'es un mâle, d'accord. C'est l'autre triceratops que j'aimerais savoir. Oh, mais ça va, ils bougent, hein, ils sont assez libres quand même. Tu es une femelle, d'accord. Donc si ça se trouve, mâle plus femelle, ils se reproduisent, je sais absolument pas. Il faudrait que j'arrive à savoir si. Je vais aller voir. Je vais me renseigner sur le wiki de toute façon. Pour savoir s'ils peuvent se reproduire. 138, t'as pas tellement de vie, t'as pas de vitesse, t'as encore moins d'attaque. Et toi tu es un mâle. Et toi tu es un mâle, d'accord. En fait, ouais, ils ont une assez grande étendue et ils vont tous vers l'eau. Je vois pas l'intérêt. Why not? Why not? Why not? On aurait peut-être pu faire un truc sympa. J'aurais peut-être pu mettre de la pierre.
Non, c'est bien comme ça. Ouais, j'ai ça, les patates. Alors. Oh, il est trop mignon, il se gratte. Lui, c'est quoi, lui? Femelle. Donc, c'est une femme. Il faudrait que j'arrive à faire un mâle en verre comme ça, là, et que je les mette à côté pour voir s'ils se reproduisent. Je sais pas s'il faut les nourrir pour qu'ils se reproduisent ou des trucs comme ça. Et lui, c'est quoi, lui? Au lieu de vous. C'est une femelle. Femelle Gallimimus. D'accord. Donc en fait je pense que c'est au hasard parce que j'ai pas à la naissance j'ai rien fait de spécial. Notre embryo. Ah mais on arrive à voir quand même. C'est stylé ça, attendez. Ah mais pas on arrive à voir les animaux classiques. Ok donc je crois que les serpents. Bah non. Bah, moi j'y comprends rien du tout. Alors, my cart. Et qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain épisode? C'est quoi ça? Hortacanthus. Je sais pas. Moi je voulais faire un stégosaure. Je sais même plus lequel c'est le stégosaure. Ou non, un Gallimimus. Un autre Gallimimus avec un peu de chance pour tomber sur un mâle. Alors, est-ce que les patates déjà ça nourrit? Ouais, pas trop de lipides, hein. Les lipides, c'est pas trop ça. Ok. D'accord, bon, on va le faire. Il est là, mon saut. Hop, hop. Et voilà. Très bien, on va le laisser. Et puis voilà. Donc pour le prochain épisode, les amis, je vais m'occuper de faire une petite tour, d'aller miner un petit peu tout ça, d'essayer de me remettre correctement à niveau, à propos des, enfin, à niveau des ressources, au niveau des trucs de squelette et tout ça, des trucs de dino là. Et puis bah et puis voilà. Quoi d'autre? J'ai vu tous vos commentaires et j'ai vu que vous avez pris en compte le fait, enfin vous avez pas trop râlé quoi sur le fait que ma vidéo était mise en ligne un peu tard et j'en suis vraiment content donc voilà dorénavant là, là cette vidéo là devrait être postée normalement. Je la tourne, on est actuellement le 1er décembre, on est mardi, elle devrait être postée d'ici d'ici jeudi donc chose que je faisais pas avant du tout donc voilà. Donc bah écoutez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous les amis, jouez bien, ciao tout le monde. C'était Alkibona. Non, je plaisante. Bon, allez, ciao les amis. On va passer par là. Ok. Voilà. 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 Et voilà. Ici. Et la dernière. Voilà, parfait. Donc maintenant je vais placer mes petites demi-dalles.